Dis-moi, ma chérie, tu peux m'expliquer pourquoi cette bestiole ne bouge pas malgré tout le raffut que je fais? Tu sais, Jean-Pierre, ce n'est pas la peine de hurler comme ça, je t'entends. Je ne sais pas, moi, ce qu'il a à ce perroquet. Il doit être complètement sourd. Ou bien alors, tu lui plais. Tu es tellement chou en salopette. Popette, popette. Oh, tiens, coucou, Zoé. Théo? Dis, Théo, tu viens m'aider, mon chou? Non, j'ai pas envie. Je sais que tu t'ennuies ici, Théo, mais il faut y mettre un peu du tien. Pourquoi tu ne vas pas pêcher avec ces cannes que Dédé t'a offertes? Tu parles, pêcher tout seul, c'est super drôle. T'es débile. Je le savais, je le savais, sale bestiole! Il m'a foncé tout droit dessus! Encore, papa! Encore! Je te l'avais bien dit, les animaux ne m'aiment pas! Chérie, ne dis pas de bêtises. Il a fini par se réveiller et c'est tout. C'est d'ailleurs étonnant, une telle surdité. Il faudra que je pense à étudier ça. Oh,
était. Théo! Théo! Tout va bien. Ah, mais tu es blessée. Amanda! Théo? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Là-bas, un jaguar énorme! Non, moi je dirais plutôt un gros singe! Oui, regarde ce qu'il lui a fait! Mais papa, c'est juste de la confiture! Voyons, Jean-Pierre, un jaguar, ça ne mange pas de confiture. Il vous aurait plutôt dévoré. À moins que... Mais oui, c'est peut-être un marsupilami. Un quoi? Un marsupilami, c'est un animal légendaire. Le grand rêve de tous les biologistes. C'est dangereux comme bestiole, ça? Je ne sais pas vraiment. En fait, personne ne l'a jamais étudié, puisque personne n'a jamais pu prouver qu'il existait vraiment. Oh, cool! C'est moi qui l'ai découvert! Je vais devenir célèbre! Oui, eh ben, je t'interdis de l'approcher s'il fourre à nouveau son nez ici! Mais pourquoi? S'il aime la confiture, c'est qu'il est pas méchant! Et alors, moi aussi, j'aime la confiture! Et je peux devenir très méchant! Et en attendant que ta mère prouve qu'il est gentil, tu m'obéis! Et tu ne t'en approches pas! Si c'est vraiment un marsupilami, quelle merveilleuse surprise! Au revoir! Tu m'obéis, tu t'en approches pas, gna gna gna, gna gna gna. Pour une fois qu'il se passait quelque chose dans ce trou. Oh, ça mord! Ça mord! Ça... Oh, même les poissons sont nuls ici. Ah! Oui, 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 si tu crois que tu vas t'en tirer comme ça, sale poiscaille. Mais... c'est pas possible! Waouh! Je savais bien que t'étais pas un monstre! Théo! Théo! Zut, c'est mon père! Cache-toi vite! Ne bouge pas, je reviens tout de suite! Théo! Ouais, j'arrive! Ouba! Oui, papa, qu'est-ce qu'il y a? On va en ville cet après-midi, on va faire des courses. Tu veux venir avec... Quelle super bonne idée! Et vous y allez comment? Mais non, enfin, en bateau avec, monsieur Dédé. Papa, Popo! Alors, Théo, tu viens avec nous? Non! Je veux dire, non, je veux rester là pour pêcher et puis il faut bien que je garde la maison au cas où il y aurait, je sais pas, une invasion de fourmis rouges ou je sais quelle bestiole de la jungle. Je ne m'en sortirai pas sans ruban adhésif. Oupa. Chut. Hé, reviens ici, mais reviens, je te dis. Arrête. Lâche ça et sors de là. Je t'avais dit de te cacher. Théo, tu veux qu'on te rapporte quelque chose? Oui, des gâteaux, il n'y en a plus. D'accord. Ne t'éloigne pas de la maison, hein, c'est compris? On sera là avant la tombée de la nuit. Et tombe pas long, Pichou, parce qu'avec ces piranhas cela, les requins à côté, c'est de la rigolade. C'est bon, ils sont partis. Marsu? Marsu? Ouba! Non! Touche pas à ce robot, s'il te plaît. Mais... reviens ici! Allez, ça suffit maintenant, c'est pas drôle. Rends-moi ce robot, c'est le plus beau de ma collègue. Tu crois que j'ai peur de grimper aux arbres? Alors là, tu te trompes. À nous deux. Et maintenant, quoi d'autre? Mais tu triches. Si tu crois que j'ai peur de faire le singe... Oh!
maman, elle a eu une bourse pour venir étudier les animaux de la jungle. Papa, il est informaticien. Il pouvait travailler à la maison, alors on a déménagé. Et moi, dans une semaine, je vais rentrer au collège de Chiquito. J'espère que les autres élèves seront cool. La frime quand ils sauront que je suis copain avec un marsu. Oh, papa! Oh là là, mes parents vont revenir. Il faut que je rentre. Ce soir, je vais tout raconter à ma mère. Elle rêve de rencontrer un marsupilami. Et puis, il vaut mieux commencer par elle parce que mon père, lui... Enfin, t'as vu? Houdak! Hop, hop. Tu te balades seul dans la jungle, gamin. C'est très imprudent. Tes parents te cherchent partout. Oh. Allô, monsieur du jardin? Ouais, c'est back alive. J'ai retrouvé votre fils. Vivant. Théo, tu exagères. Tu avais disparu. Je me suis fait un sang d'encre. Je peux savoir ce qui t'est passé par la tête? Tu es parti à la recherche de cette bestiole, hein? Le marsipil, le marsu, le marsupule, le truc. Un marsupilami. Voilà, oui, c'est ça. Un marsupilami, hein? Vous avez vu un marsupilami? Oui, oui, il est venu fouiner dans le jardinet et il s'est jeté sur mon fils, Théo. Allons, chérie, tu exagères. Il voulait juste manger de la confiture. Je connais bien le marsupilami. Je le traque depuis des années. Il a l'air d'une gentille peluche comme ça. Mais c'est un animal sournois et dangereux. Il va revenir rôder ici, vous pouvez en être sûr. Moi, je vous conseille de mettre des pièges. Je peux m'en occuper si non, vous... Non, ça ira. Je suis venue pour étudier les animaux, pas pour les chasser. Comme vous voulez, ma petite dame. Mais je vous aurais prévenu. T'es un as, ouais, ça c'est sûr. Marsu! J'ai dû filer en douce. Si mon père apprend que je te vois encore, il me prive de sortie pendant au moins 10 ans. J'en étais sûr. Tu viens de commettre une grave erreur, marsupilami. Une grave erreur. C'est le chasseur débile back alive. Ah là là, c'est un gaz très spécial. T'inquiète pas, va. Mes parents vont nous aider. Même mon père, il comprendra. Ah non, mais cette fois, il va m'entendre. Il n'est pas non plus dans sa chambre. Il est reparti avec cet animal là, ce mirsapu là, le mursipi, le milipu, le truc là. Le marsupilami. C'est ça. Ah, le marsupilami. Tu vois quand tu veux. Son nez est très sensible. Il doit terriblement souffrir, le pauvre. Je vais lui montrer, moi, à ce back alive, qu'on ne s'en prend pas à une famille. On va tous aller les libérer. De force, s'il le faut. Comment tu veux le retrouver? On ne sait même pas où il est. C'est vrai ça. Comment, mais c'est bien sûr. Il a un téléphone portable. Il va voir ce qu'il va voir, le sale menteur. Je vous expliquerai. Vite, il faut appeler Monsieur Tété.
Merci, Dédé. C'est gentil à vous d'être venu si vite. Vous fatiguez pas, va, mais franchement, des histoires pareilles. Tous les téléphones portables émettent un signal. Et si on a les codes d'accès et les bonnes cartes, on peut les repérer à quelques mètres près. Et comme c'est moi qui m'occupe des sites internet de la compagnie du téléphone, c'est facile. Ça, c'est nous. Et ce truc immobile, c'est lui. On devrait avoir aucun mal à lui mettre le grappin dessus. Quoi ? Bien dormi ? Profitez-en pour regarder la jungle, parce que c'est la dernière fois que vous la voyez. Papa, il bouge, il s'en va. On pourrait le coincer là. Bonne idée. Mais il va falloir faire demi-tour et contourner cette partie de terre là. Monsieur Dédé, il faut faire demi-tour et mettre les gaz. Les gaz? Mais je sais pas si mon bateau... Laissez-moi faire, monsieur Dédé, et tenez-moi Zoé 2 minutes. Merci. C'est parti. Mais qu'est-ce qu'il fait? Je crois qu'il va couper par la jungle. C'est moi le plus grand des chasseurs. C'est moi le plus grand des chasseurs. On ne va jamais y arriver, chérie. Il est beaucoup plus rapide que nous. Je ne peux pas faire mieux. Je suis déjà à fond. C'est le bateau du vieux Aaron, décrépit. Qu'est-ce qu'il fait par là? C'est Bacalag. Je le vois droit devant. Mais comment ils ont fait? Ça passe ou ça casse? Si tu pouvais faire en sorte que ça passe. Ça va casser, ça va casser! Va t'acheter un pédalo, marin d'eau douce! À moi la gloire, les palaces et les boîtes de nuit. Je suis le grand, je le vois. Et voilà. Mon chéri, mon petit amour, tu n'as rien. Maman. Ouba. Mon ami, marsupilami. Sans recul. Ah, oh non. Eh ben moi, je crois qu'on verra pas ce bac à live de sitôt. Ouais, les piranhas lui ont dévoré tous ses vêtements. C'est effrayant, ces bestioles-là. Oui. Il est ressorti tout nu de l'eau. En tout cas, si on m'avait dit qu'un jour j'aurais la chance de voir une famille complète de marsupilamis. Ah, il faut reconnaître que ces marsupilamis ont quelque chose d'attendrissant. Pourquoi il fait ça, Théo? Qu'est-ce qu'il a le... Du gâteau. Mais merci, hein.